Il y a bonjour à tous, les amis, c'est Mojumper. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté, moi ça me dit qu'il y a une collègue. Aujourd'hui les gens, est-ce que vous êtes prêts pour prendre une petite glosse avec moi? Car aujourd'hui les gens, on se retrouve, vous l'attendiez bien sûr, pour le chapitre 2 de Ice Cream. Et pas Ice Cream, hein, pas Ice Cream en mode la crème glacée, non. Là on parle bien sûr de Gris Glacé, avec bien sûr le marchand de glace tueur, hein, le nouveau voisin. Et je vous rappelle qu'on l'avait justement rencontré dans le premier chapitre. Et justement, merci beaucoup pour tous vos retours. Et on avait justement sauvé notre pote. Et les gens, on est là, bien sûr. Bah écoutez, pour vivre la suite de notre aventure, let's go. Non, je n'ai pas mis le tuto, je n'ai pas besoin d'indice. Ha! Décembre 1982. Ah ouais, c'est notre pote qu'on a sauvé et tout, du marchand de glace. Oh, on s'est fait un groupe d'amis. Ah oui, le fameux marchand de glace. Ah bien, donc du coup, on est de retour, les gens. Comme vous le voyez dans notre chambre, c'est là où tout avait commencé et là où tout finira. Très bien, donc, interagir avec la fenêtre. Oh, il est de retour. Eh, hey, ne joue pas avec moi. Donne-moi ma glace. Non, hi, non, Jay. Pars-toi. Salut Jay, tu as joué? Non, mais casse-toi, il va te kidnapper. Les garçons sont dans le repère secret. Mon frère m'a dit qu'il y avait quelque chose dans... Eh bien, c'est vraiment stupide, mais... Tu ne sais pas quoi? 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 Mais puis il est affreuse. Non! Non! Il m'a pas vu. Ok. Viens ici, petit... Ah. Petit blip. Ok. Liz. Enfin, Lisa a besoin de ton aide. Prenez la couverture du lit et utilisez-la pour descendre au sol. J'arrive, Liz, t'inquiète. Ok, donc il faut que je prenne ma couverture. La couverture du lit. Ok, utilisez-la pour descendre. Ça roule. Ok, donc ça on prend. Voilà. Après la corde. Et parce que oui, c'est vrai, effectivement, vous avez raison, les gens, c'est vrai qu'on a toujours un moyen de descendre tout à fait normalement de la maison, hein, bien sûr, ça c'est logique. Voilà. Bon, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la chambre, mais pire, j'aurais toujours des objets. Alors je vous rappelle que le but c'est de tout simplement sauver nos potes. J'ai l'impression que ça va être ça à chaque fois, tu sais. Ok, appuie sur se cacher, ok. Me planque. Attends, mais c'est exactement pareil que dans le chapitre 1. Sauf qu'il neige. Je vais attraper quelques enfants aujourd'hui à bord du Superman. Je vais trouver de nouveaux enfants. Ok, puis j'irai faire de la bonne glace. Eh bien, ok. Très bien, il a laissé tomber son petit carnet. Ok. Bon, on connaît, on sait qu'il est très lent. J'espère qu'il n'a pas augmenté au niveau de sa vitesse. J'espère qu'il a pas mis une vitesse en plus. La carte. Alors normalement il est dans le camion. Montez dans la camionnette. Ah. Ça commence. Les screamers commencent. Ok. Alors bah tiens, ça tombe bien, je vais pouvoir voir. Ah. Oh le lance-pierre. Billy. Bon lui Billy c'est bon, il est sain et sauf. Maintenant c'est Liz. Et pas Tony. Je sais pas, j'avais envie de donner ce nom là, tu sais. Ok. Et c'est pas Lisa d'ailleurs, c'est Liz hein. Alors on a quoi? Un mixeur. Mais à quoi ça me sert? Ah oui, c'est le mixeur que nous avait donné notre pote. C'est vrai, exact. Ok, Rod. Bon, on se casse. On se casse. Wouh. Accroche-toi. J'arrive. Non mais lâche ça, là j'en ai pas besoin pour l'instant. Oh quoi que, attends. Ça va peut-être servir. Allez. Voilà. Comme ça. On me fout la paix. Et moi, je pourrais bien mettre une carte ici. Quoi, je l'ai pas ramassé? La carte! Tu es la carte! Ça va, il va pas si vite. Enfin, il va pas plus vite. C'est ça que c'est bon. Ferme la porte. Voilà. Interagir. Cinéma, garage, cirque, Cynthia. Wouah! Trop stylé! Cinéma! Oh, il y a 5 nouvelles zones! Tellement cool! Oui, parce que la fois dernière, on avait le garage, le parking. Il y avait la cafette et aussi l'air de jeu. Mars 1954. Ouais, c'est vrai qu'il aime bien capturer que des gens qui aiment bien manger. Il l'a dit de toute façon tout à l'heure. Je ne comprends pas. Pourquoi je suis différent des autres? En fait, je ne mange pas beaucoup pour être si gros. Ah non, c'est les gens qui se moquent. Je me demande si c'était pas le marchand de glace avant. C'est pour ça qu'il veut se venger aujourd'hui. Oui, j'ai récemment goûté de la glace spéciale de mon père. C'était qu'une fois. Pourquoi suis-je différent? Oh, les enflures. Oh, ils sont tellement pas cool avec lui, c'est normal. En même temps qu'il a voulu se venger, tu me diras. Le cinéma. Oh. Très bien. Bah. Ok. Bon, alors je rappelle que on va devoir se balader de map en map.
de zone en zone pour trouver des objets qui vont nous permettre de sauver Liz. C'est pas possible. Est-ce que je peux m'accroupir? Ça va aller? On va aller réveiller. Ça a l'air d'aller. Ok. Cadenas de la cage. Très bien. Ouais, donc j'ai l'impression que ça va être ça à chaque chapitre en fait. Hein. Je pensais qu'on allait changer totalement de truc. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas 5 mais 4. Mais 4. J'entends un chat. Alors je sais pas si j'ai été au bon endroit. Hein. J'ai été au pif. Oh, il y a un chat. Il a l'air bloqué. Alors je sais pas si on peut fouiller les coffres. Ah ah. On peut fouiller les coffres. Bon, il est rentré dans le cinéma. C'est quoi? Cornichon. Cornichon. Je sais pas si on peut prendre plusieurs trucs. Je crois qu'on peut prendre qu'un seul truc à la fois. Mais on pouvait stocker des... What? Tout ce qu'il y a. La peluche licorne. Mais on peut stocker les trucs dans le camion du marchand de glace. Et ça, c'est bon, ça. Ok, il a pas l'air très... Ouais, tu gardes ça, Liz. Ok. On va fouiller tout ce qu'il me faut. On va fouiller tous les coffres. Hein. C'est bon, il est là. Il est très lent, il est très lent. Heureusement, il a pas d'arme pour nous ralentir. Genre comme dans Hello Neighbor, c'est avec la colle. Un coffre. Faut regarder qu'il me piège pas, genre en mode il passe par un autre endroit. Ah c'est bon, il m'a déjà perdu. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un cadenas. Oh, une peluche. Bon, il va falloir collectionner les peluches, hein, tous les coups. Ah. C'est bon, ça le fait, ça le fait. On va ça. Ok. On va mettre ça là-dedans. Accroche-toi. Pour te tenir compagnie, Liz, hein, que je fais ça. Oh. Un parfum. J'imagine que je vais pas en avoir besoin maintenant. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Hop, ça dégage. Il est passé sous le camion. Non, il est collé à pare-choc. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est ouvert. Oh, Rosebok. Il peut pas me voir là. J'entends le chat, j'entends le chat. Ah, c'est un réveil. Ok, réveil anal. Il arrive. Il arrive. Je le savais. Ok, c'est bon, il s'est pas passé au-dessus des poteaux. Ça va le faire, ça va le faire. Ok, très bien, on a trouvé un réveil. On peut pas utiliser. C'est quoi ça? Ah, c'est pour se planquer. C'est des planques, c'est des planques. Oh, ça a l'air d'être une zone horrible. Je sais pas si les chapitres sont plus durs. Ok, j'ai débloqué un truc, très bien. Faut fouiller, ouais, c'est ça, c'est fouiller les voitures. Ça était sûr, ça était sûr. On peut pas ouvrir les portes, on peut. Ah, d'ailleurs, tout le monde a oublié de fermer son coffre, hein, je tiens à le dire. Une caisse à outils. Prends-la, mais prends-la! Mais prends-la! Rien du tout. Faut que je prenne tout, faut que je fouille tout. Rien du tout. Ah, tu peux te marrer, tu peux te marrer. Très drôle, hein, très drôle, hein, c'est pas. Y'a rien dedans. Oh! Ouais, c'était chaud! Ok. On passera pas là. Ah! C'est une musique horrible! J'ai pas le temps de fouiller, de voir ce qu'il y avait dans le truc, moi! Ça commence bien déjà, ça a l'air d'être l'endroit le plus chaud du truc. Caisse à out. Une clé à laine. Oh! Il est vénère. Ok, ça va nous servir. La clé à laine, ça va nous servir de ouf. Voilà, on fait notre petite provision, on fait nos courses, hein. Clairement. On fait nos courses. Voilà. J'ai ouvert tous les coffres. J'ai pas pris ce qu'il y avait là-dedans. C'est quoi ça? Un Rubik's Cube. Je pense qu'il faut prendre les... Ouais, bah, de toute façon, tout brille, donc ok. Alors, je fais le tour du parking. Hein. Une clé à laine. Ok, donc ça va nous servir pour ouvrir un truc verrouillé. Ok, on peut pas ouvrir les portes arrière des camions. J'aimerais bien poser ça correctement, tu sais, parce que j'ai mal placé mon parfum. Voilà. Ok. Et on va prendre... Bah, j'ai déjà un pot de cornichon. Non, non, mais arrête, ça suffit. Ça suffit! Faut que je rentre dedans. Je rentre et je me planque. C'est bon. Wouh. C'est bon. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Oh, il peut pas venir me chercher. Il n'arrive pas à venir me chercher. Oh yes. J'ouvre un tiroir, ça va le bloquer.
Ça va être horrible. Ça va être horrible si je suis coincé là. Je peux pas passer par la fenêtre? Oh, ça craint. Il m'a pas vu. Tu m'as pas vu. Non. Y'a un truc là. Je peux rien prendre. Poster, on peut pas le bouger. Réveil. Ok. Pour emporter le réveil avec vous, vous devez tourner un autre objet pour le remplacer. Trouvez un autre objet. Mais trouvez quoi? Un autre réveil? Ok. Ça sent pas bon. Je suis coincé avec le placard. Ok, ok, ça va aller. Très bien. Bon, ok. Il est plus là. Il va falloir trouver un truc pour le remplacer. Genre quoi? Mais qu'est-ce que le marchand de glace veut de moi? Je sais pas. Il y a un parfum, un Rubik's Cube. Faut que je regarde. Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ok, ça se porte des infos. Obtenir l'horloge. Capture le chat. Réveil analogique. Quoi on pourrait remplacer ça? Un vrai chat! Ok, très bien. Bon, on a fait déjà le tour. C'est bon. J'ai une idée. On va aller au... Oh, il y a le garage! On va aller au cimetière! Direction le cimetière! Bon, j'ai pris pas mal de trucs. Merci, José, pour l'ouverture de la porte. Au chanaré. Le cimetière. Ah oui, on a 3 vies, c'est vrai! Ah, ça a l'air déjà un peu plus glauque, hein. Très bien! Bon, ok. C'est bon, il est là. J'ai mes objets. Vraiment, le mieux au début, c'est d'explorer un peu toutes les zones. Oh, c'est tellement glauque, toutes les tombes et tout. Pierre tombale. Je vais faire quelque chose avec la pierre. Il semble que le chat surveille la tombe de cette dame. Le chat? Où ça, le chat? Ah, salut toi! Faudrait peut-être un truc pour l'attirer. Au final, donc le chat, c'est autre chose. Mais ouais, donc le mieux, c'est de fouiller d'abord tout. Toutes les zones. Et ensuite, on pourra refouiller les trucs avec tous les objets qu'on a récupérés. D'ailleurs, j'imagine que il faudrait que je mette un autre chat. C'est pour se planquer la tombe. D'accord, on se planque dans une tombe. Très glauque. Parfait. Là. Ok, on peut rien ouvrir. C'est bien. Il faut pas que j'oublie, j'ai une clé à laine. Ça a l'air énorme ici. Ça a l'air énorme de ouf. Ok, là, il y a quoi, là? Accéder à l'hôtel. Très bien. Donc, on peut tricher en regardant des pubs, mais j'ai pas envie. Ah! Oh, la vache! Je l'avais pas vu! Oh, les portes ne le bloquent pas tant que ça, hein. Ça le ralentit à peine, hein. Il sait les ouvrir! Ok, j'aurais pu me planquer. Oh, ça, c'est bon, ça! Et on va l'attirer au maximum. Dommage. J'allais dire, on aurait pu l'attirer au maximum pour qu'on gagne du temps. Ouais, ok, donc là, on fait le tour par là. Ça roule. Ça, je peux l'ouvrir? Ah, sûrement avec l'hôtel. Ferme cette porte. Oh là. On dirait que je lui ai un peu fermé la porte à la face. Oh, il a pas apprécié. Robinet. Pas besoin de robinet. Oh, c'est lui! Il y a un truc au sol. Pour y mettre des bougies ici. Intéressant. Il y avait un truc au sol. Boîte d'allumettes. Impeccable. Ok, je peux m'en servir sur quoi? Pas de soucis. Je regarde, je me balade les gens. On va se balader. Très bien. Bon, je crois que j'ai ramassé tout ce qu'il me faut ici. On va aller faire le tour. Hop là. Très bien. Ok. Alors on va faire le tour, la bougie, bon ça, la boîte d'allumettes. Ça va très certainement être utile pour les... Mais qu'est-ce qu'il y a de marchand de glace? Mais t'inquiète, m'en occupe. Ça va être utile pour les bougies. Ok. Prochaine étape. Le garage. Je me demande si on va pas retourner au garage qu'on avait dans le chapitre 1, les gens. Regarde ça. A plus, le cimetière. Et direction... Oh oui, c'est ça. C'est le garage du chapitre 1. Donc ouais, je pense que c'est le garage de notre cher ami, hein, du marchand de glace. Oh, ça a changé ici. Ah. Il est toujours là, par contre, hein. Ce stone ne peut pas être ouvert ici. Oh, attends, il y a un truc là. Un câble. Vous devez couper le fil pour l'ouvrir. D'accord. Ok, donc il faut un truc pour couper le câble. Bon, le garage, j'ai jamais rien eu, donc c'est déjà ça.
Oh! Bah attends, mais y'avait pas cette porte dans le premier chapitre! Donc ça, c'est pour se planquer là-bas. Allez, fais le tour avec le marchand de glace, hein. Fais pas demi-tour, s'il te plaît. Non! Non, il a fait demi-tour! C'est pas vrai, il va pas arrêter. Il va pas rester là-bas, j'espère. Oh! Casse out. Ce stand peut pas être ouvert d'ici. C'est verrouillé. L'horreur. C'est pas qu'il arrive. Oh non, il arrive. Oh là là. Salut, c'est moi. Il m'a pas vu. Bon, je reviendrai dans... Ah. 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 J'ai pas le temps de fouiller les tiroirs. Ça craint. Je vais me faire avoir. Bon, bah allez. Il arrive. J'ai pas vu ça. Oh mmh. Ah non. C'est froid. Oh non, tu as été capturé. Quoi? Oh, c'est un sale garage. En fait, on est capturé ici à chaque fois. Oh, insane. J'étais pas au courant. Une pince. Oh non, pas deux fois. J'ai peur. Ok, c'est verrouillé. Et là, ce store ne peut pas être ouvert. Mais attends! Je vais utiliser la pince. Je peux pas. Je peux pas. Ah, c'est bon les gens, il y en a en fait dans le tiroir. J'avais trouvé la clé de secours. Ok, c'est ça. Donc il fallait... C'est bon, j'ai ouvert la porte, je pense. Ok, voilà. Et là... Oh, c'était chaud! Oh la vache, j'ai failli me faire dégommer en 2 secondes. C'est bon. Allez, allez! Mais coupe le fil! Parfois, je la tire encore un peu. Ah, c'est bon. Ok. C'est... Non, mais il faudrait vraiment couper le fil! Allez! Voilà. C'est quoi ça? Oh, c'est lui! Ok, on va mettre la pince, on va mettre la pince, on va mettre la pince. Oh non, non, je peux plus contrôler ma trinque. Non. Ah super les gens, du coup bah voilà, j'ai perdu mes filles, j'ai plus de filles. Excellent. C'est quoi ça? Marteau. Oh. Moi j'ai gardé un marteau, et d'ailleurs oui, bah ça se fait capter, hein, voilà. On va pouvoir passer. J'en étais sûr. Pas au-dessus. C'est quoi ce jump que j'ai fait là? Bon, au moins on a récupéré un marteau. Je peux pas l'assommer avec ça. J'ai pas le temps de voir ce qu'il y avait là-dedans. Ah bah c'est tombé du coup. Des bougies. Oui. Ah ah ah. Nya. J'ai vu ma pince. Hop. Ça, ça va nous servir pour le cimetière. Et du coup, une chaise. Et ça, ça dégage. Donc en fait, le garage ne sert quasiment à rien. À part pour... Quand vous êtes capturé, très bien. La pince. Ok, on va se barrer. Oh, c'est chaud! Je vous rappelle que c'est ma dernière vie, là! Ah! Oh, c'est tellement galère pour ramasser les objets. S'en fout! Cimetière! Oh! Oh, le cimetière! Oh là 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 là! C'est que le début et c'est déjà l'enfer! Bougie! Alors les bougies! Je crois que c'était là-bas. C'était là! Ouais, j'aurais dû laisser. Yeah! Et là, du coup. Oh! Père, vous étiez ma seule famille. J'espère qu'il va pas attraper pendant ce temps.
Je n'ai jamais rencontré ma mère. Et ça n'a jamais compté pour moi. Toi et moi formions une super équipe. J'ai toujours voulu être un marchand de glace aussi grand que toi. Bien que j'aimerais que tu aies plus de temps pour moi quand j'étais enfant. J'ai eu tellement de problèmes à l'école. Quoi ? Tu as été capturé beaucoup de fois ? D'accord, mais en fait, j'étais en pleine cinématique. Rod Sullivan, la recette des bonheurs est à la portée de tous. Quoi ? Mais attends, il m'a capturé pour la cinématique ! Tu te moques de moi, là. Tu te moques de moi, là, non ? C'est une blague ! Mais non, mais c'est quoi ? Le game over ? Je suis devenu un frigo. Voilà la morale de l'histoire. Mais non, mais... J'étais en cinématique ! Non, vous avez... Non, là, il y a un carton rouge, monsieur l'arbitre, là. Là, non, je n'accepte pas, monsieur. Je n'accepte pas, je veux revoir l'action, là. 2000 ans plus tard. Ok, genre, c'est bon, donc j'ai réussi à tout récupérer. J'ai absolument tout refait, du coup. Donc, je suis arrivé au cimetière avec les bougies. Voilà. Cette fois-ci, on sera pas à voir. On peut te le dire. Ok, donc ça, on le pose. Ça, on le prend. Et ça, on le passe. Ça a donné quoi ? Ça donnait quoi ? Bah oui, parce que j'ai pas pu regarder l'indice ! Ok. Ok. Bon. Au moins, on a interagi avec ça. Très bien. Il est rapide, hein, ce fourbe. Alors apparemment, il peut passer dans les tunnels. Il y en a pas mal d'entre eux qui me l'ont dit, mais Ah oui, effectivement, je confirme ! Ok, alors heureusement qu'il l'avait pas fait la fois dernière parce que... Parce que clairement là j'étais foutu hein. Il y a toujours le chat là. Il semblerait que le chat surveille cette dame. La tombe de cette dame. Ok, on va se barrer ailleurs. On va aller au cirque. Sachant que c'est la dernière zone à aller là. Parce que le garage c'est un petit peu la zone où tu te fais capturer. C'est la prison, tu vois, là, c'est la casse-prison de... Du Monopoly, tu vois. Oh, c'est une ville. Oh, excellent. Quand on arrive en ville, il va peut-être falloir changer le moteur, là. Bah, nouvelle zone. Bon, vu tout ce qu'on a dedans, lui, il se doute de rien. Il y a une licorne, une peluche en plus. Enfin, pff, il s'en fout. Oh, j'ai un truc qu'on pouvait interagir. Corbeille. Allez, fouille. Allez. Rien trouvé, super. Il est là-bas, c'est ça. Bonhomme de neige. Ça a l'air immense. Et c'est glauque. Oh là là, mais c'est quoi ça? Il y a même une boutique. Oh, il y a des gens dedans. Au secours. Allez, moi. Et toi? Et toi? Seuls ceux qui ont leur laissez-passer peuvent entrer ici. Identifiez-vous. J'ai pas de laissez-passer. Y a un mec qui veut me tuer, ça vous dérange pas? Oh, FBI. Voilà. Personne veut m'ouvrir. Génial. Génial! Oh la vache! C'est un cul-de-sac! C'est un cul-de-sac! Oh, j'aurais pu fouiller là-dedans, mais... Dommage. Allez! Plus vite! Pas le faire, Jean. C'est bon, il arrive. Parce que j'aurais bien fouillé la poubelle là-bas. Oh, il y a celle-là aussi. Je crois qu'il est là. Ouais, il est pas loin. Il est vraiment à côté. Ok, doucement. Il ne s'entend pas. Une corbeille à fouiller. Ok, il y en a une autre après, là. Je l'ai vu. Attends, mais même deux. Ça fait deux, là. À trouver. Super. Il va au cirque. C'est bien, va au cirque. Va t'éclater. Vas-y, Rod. T'as raison. Je veux parce que je crois qu'il s'appelle Rod. Hein. Allez. Trouve un truc utile. Oh, vous avez trouvé le laissez-passer ? Le laissez-passer spécial ! Et on était dans la poubelle ! C'est une carte Pokémon ? Ok. Excuse-moi, je voudrais entrer. Eh, bienvenue dans le repère secret ! Charlie ! Bienvenue dans le repère secret, je suis le roi ! Eh ben, couronne un carton, très bien. Je suis le meilleur joueur du monde, personne ne battra jamais mon record. Oh, un record à battre ! Eh ben, on va voir ça ! Très bien, j'ai l'impression que Rod peut pas venir ici. Mike ! C'est Mike. Quelque chose à dire, Mike ? Harry Potter ?
Pas cousin d'Harry Potter. Oula, cette voix! Cette voix qui a pas du tout avec sa tête! Jeune homme Gérard, sûrement tu sais quoi en faire. Tu m'apportes quelque chose de joli. Je vais te le donner. Quelque chose de joli? Attends, qu'est-ce que. Si je me mets devant toi, t'as pas un indice? Obtenir la poignée de porte. Obtenir la poignée la porte de l'hôtel. Très bien. Très bien. Quelque chose de joli. Peut-être un Rubik's Cube. Oh, c'est quoi ça? C'est ça son record? Charlie. Ok. Ah oui, c'est un jeu d'arcade. Super. J'ai battu ton record là ou pas? Non? 305, Charlie. Ça roule. Allez, c'est parti. Faut sauter. Oh, mais ça a l'air chaud de ouf! C'est un Flappy Bird ou quoi? J'ai plus qu'une vie, alors attendez, on va la foirer tout de suite. Voilà, comme ça je la recommence. Attends, quoi? Faut que je regarde une pub pour jouer? T'es sérieux là? Qu'importe, on s'en fout. Rien d'autre de plus. Bon, il faudrait ramener un truc à Mike. C'est quoi ça? Oh! Ah oui, d'accord, c'est pour. Ouais, c'est pour Mike. Là, on a un lance-pierre! On le garde ici au cas où j'en aurai besoin plus tard. Tiroir. Bon, je doute qu'il y ait quelque chose là-dedans, hein, mais bon. On va fouiller. Je me permets, les gars. Je fouille. Ah ouais, c'est clairement un jeu qui dure aussi longtemps qu'un chapitre de Hello Neighbor. Mais c'est ça que c'est bon! Que dalle! Merci, super. T'aurais pas pu me le dire. J'évite de fouiller pour rien. On va continuer à fouiller. Le reste de la zone. Ça, j'espère que toutes les portes ne s'ouvrent pas, hein, parce que clairement, on n'a pas fini. Hein. J'ai pas encore été dans le cirque. C'est quoi ça? Très bien. Les animaux sont plus là. Oh là, c'est la mort si tu passes là. On peut pas aller de l'autre côté? Je me pose la question là. Non? Très bien. Bon. C'est clairement juste un passage. Attends, il y avait là aussi. Ah bah non. Très bien. Bon, je vais aller voir s'il a pas un genre du Rubik's Cube. Un truc joli. Un truc joli. Qu'est-ce que... Moi, je pense que le Rubik's Cube... ça pourrait être sympa. Parce que bon, je pense pas qu'il veut un pot de cornichon. Hein, ça m'étonnerait. Bon, je pense que Rod peut pas venir ici. Ça t'intéresse, ça, Mike? Ah non, c'est moche. D'accord. Ah, mais attends, tu vas pas me dire que c'est ça, quand même, non? Super cool. Super cool. Ah, c'est sûr. Sure. Je peux faire quelque chose avec ça. Quoi? Quoi? Il voulait vraiment le parfum en forme de cœur? Écoute, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Une poignée de porte! C'est pas pour le cimetière, ça? Bon, j'ai déposé la poignée de porte, les gens, parce que je pense qu'à mon avis, ça va clairement être dans le cimetière. Ok, c'est bon, Rod. Monte au truc. J'ai pas été voir ce qu'il y a là. Bon, là, ça va être fermé encore. Oh non! Va falloir vite fouiller. Dis-moi qu'il y a des trucs là-dedans. Allez, s'il te plaît. Un truc utile, un truc utile. Boîte de thon. Boîte de thon. Oh, pour le chat! 4! Ah! Un devoir de plus, là. D'accord. Je fouille. Mémé! Mais attends, c'est la même grand-mère qu'il y avait sur... sur la photo. Porte. Il arrive. C'est abusé. On m'a pas vu. J'allais dire, c'est abusé le détecteur. Ok, y avait rien d'autre, hein. J'ai pas le temps. J'aime pas ce bruit-là. Ok, bon. On va aller donner ça au chat, hein. On va aller donner ça au chat, hein. Très bien. Bon, du coup, direction. Le cimetière. Oh là 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 là, la pression, les gens! La pression est juste immense, hein. J'ai l'impression que le chapitre 2 est déjà plus dur. Ok, du coup, direction le cimetière. Sors-moi des s'il te plaît, G! T'inquiète, sans cours! Ok, le chat. Allez, mon chat! Allez, Milou! Vous avez mis la nourriture pour le chat sur la pierre tombale. Voilà, c'est bien, mon gars. Voilà. C'est bien, c'est moche, c'est bon, hein. Salut, ça va? J'en étais sûr. Ok, maintenant j'imagine qu'il va falloir aller au cinéma. La voiture des portes. Eh oui, on a pas marre de faire des allers-retours. Allez, on va tout de suite. Je suis sûr, elle est échangée avec l'horloge. Par contre, je sais pas quoi faire de cette horloge. Peut-être ça va ouvrir une porte.
Oh. T'as remplacé le réveil par le chat. Très bien, toujours fermé. Bon, alors j'imagine que on va avoir sûrement l'utilité de ce truc à un moment. J'ai peut-être pas tout fouillé dans la ville. On va aller voir ça. Ok, bon, j'ai un chat en plus. Là, tout est fouillé, hein, clairement, j'ai tout fait. Ça, c'est ça que c'est bon. Ok, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, on va retourner en ville. Ville. Quartier. Non, c'est cercle. Ok. J'ai pas le temps de fouiller ce qu'il y avait sur le toit de, là, de chez Mergrand, là. Ok. Très bien. C'était par là. Rod est où? Où est Rod? J'ai pas volé. Il est là-bas. Il me voit pas. Il m'a pas vu. Alors clairement, j'ai pas eu le lance-patate du roi, là, mais clairement, je pense que c'est uniquement pour pouvoir dégommer du monde. Enfin, Rod, surtout le stun. Comme on avait avec le paintball. Wow! Je suis mal de ouf, là. Ok, une corde. Une corde, mais j'ai rien pour... D'accord. Oh, c'est pour aller de l'autre côté. Ça veut dire que, genre, il faudrait une espèce de tyrolienne. Tu me diras, j'ai pas été au cimetière. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y avait la poignée de porte. Câble. Avec le bon objet, vous pouvez utiliser le câble comme une tyrolienne. Hein? Avec un bon objet. Mais comment je peux faire ça? Tyrolienne. Ça aurait pas un rapport avec ce qu'il y avait ici? Ça a refermé tout, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je vais fouiller, j'avais pas tout fouillé tout à l'heure. Ok. Là, on peut pas fouiller. Ah, j'avais pas fait l'eau dessus. Très bien, y'a rien. Là, y'a rien. Les rideaux de chez Mergrand. Très bien, les poufs. Oh, oh, un cintre. Ah, ça pourrait servir de tyrolienne. Alors, ne jamais faire ça en vrai, les gens. Hein. Jamais. Hein. Clairement, je doute que ton cintre retienne. Allez, Rod, on se casse. Allez. J'espère que c'est ça. Hein. J'espère que c'est ça, parce que dans tous les jeux du monde, c'est la tyrolienne, c'est ça peut être un cintre. Oh oui! Yes! Attention! Hein? Ah non, me dis pas qu'il fallait sauter avant. Fallait sauter sur le toit du chapiteau. C'était sûr. Ok. On est pour aller de l'autre côté, là où je peux pas y aller. Très bien. Ok, on y va. On y retourne. C'est bon, on a capté le truc. J'espère qu'il va pas venir là. Bon, ça va, il a deux QI, hein. C'est une vraie moule, là, le machin. Il arrive pas à me capter, c'est... Allez, vite! Allez, on... il faut... ça se trouve, c'est ça, il fallait sauter avant. Allez. C'est dommage qu'on puisse prendre qu'un objet à la fois, quoi. Ok, allez! On a fait tous les Onel Bord! Tous les Onel Bord, c'est pas pour rien. Regarde, c'est ça. Hop! Cette zone pourrait être cassée avec un fort impact. Oh, mais non! Faut sauter pile dessus! C'est une blague. Pas de dégâts de chute, c'est ça que c'est bon. Allez, le cirque, bientôt dans votre ville. Bon, va falloir être précis en plus, hein. Percute à la Mario, là. Ok. En plus, c'est chaud de ouf. Allez, le câble est là, il est au-dessus. Oh, yes. Wouh. Sur la pendance qu'on a atterri. Oh. Pleh. Y'a un dot? C'est quoi? Les égouts? Cette odeur! Horrible! Alors, on dit pas qu'il peut venir ici, hein, parce que alors là c'est la mort. Hein. Non, c'est bon. Allez, vite. Ceci redescend, je suis foutu, parce que maintenant que je sais, grâce à vous les amis, qu'il peut s'infiltrer dans les conduits et tout comme moi, là c'est la flip! Oh, portail! Oui. Eh bien, bon, pas 30 millions de solutions. Ça rappelle un peu Granny, ça. Hein. J'aime pas trop ça, là. C'est quoi? C'est juste un passage? Tu déconnes. Oh. Oh. Petite bouteille de gaz. Vous devez l'enlever pour prendre la bouteille. Vous devez enlever les vis. La clé à laine. Ok. Pas la laine, le mouton, hein. Hein? S'il vous plaît. Ok. Oh, on est arrivé par un autre passage. Je vais vérifier, tu vois. Porte est verrouillée de l'intérieur. Oh, c'est bon, c'est un loqué. Je vais garder le cintre. Ça peut me servir. Bon, il me faut la clé. Allez. On est bon, là. Allez. Je fais des strafes. Ouais, carrément, je joue comme ça, maintenant. C'est vraiment... le mec, il a chopé un tic, hein.
Speedrun. Acheter ça là-dedans. Bam. La clé. J'en sais rien. T'inquiète, Liz. J'arrive, j'arrive. Je fais ce que je peux, hein. Hé, hey, attends. Hey. T'as qu'à pas vouloir être gourmand à ce point-là avec des glaces. Je l'entends, il est à gauche dans la ruelle. Je sais pas par où je suis passé. C'est la petite truc là à droite. Hein. Ok, la bouteille de gaz, ça pourrait servir peut-être au cimetière. C'est, mec, il est déterré avec le cimetière. Tu m'attends pas là-dedans, Rodin. Eh bien. Allez, allez, mais descends. Allez, n'aie pas peur, c'est rien. C'est qu'une échelle. Attends, faut viser les vis. Oh la vache, il faut viser les vis. Je vais abandonner la clé. Hein. J'imagine que j'en ai plus besoin. Voilà. Pierre, je sais où elle est. Elle est en sécurité. La bouteille de gaz, c'est pas pour assommer Rod. Peut-être dans l'espèce d'église là qu'il y avait. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Bon, du coup, direction le cimetière. Là, je pense que là, on a tout ce qu'il faut. J'ai rien pour ouvrir la porte là, au niveau de la porte qui était verrouillée dans le cinoche là. Et le garage, on s'en fout. Clairement, le garage, on s'en fout. On a tout fait. Donc là, clairement, ça va se terminer là-bas. D'ailleurs, je vais m'équiper tout de suite. J'en sais rien. Poignée de porte. Poignée de porte et direction. On dirait un champignon le truc. Un champignon. Le cimetière. Ok, j'espère que j'ai rien oublié. Oh! Il était en train de pleurer encore! Il était sûrement avec son père, j'ai pas vu, ça a été trop vite! En même temps, si je peux me faire buter dans les cinématiques, j'avais moyennement envie. Hein. Rien. Ça, c'était l'hôtel. C'est quoi ça? Simple porte. Il manquait un truc. Oh, colonne! Je peux rien y placer. J'en ai rien à y placer. Oh, peut-être la bonbonne, mais la faire péter avec les allumettes. Tu vois, c'est ça. On va péter avec la fissure. On se rappelle. Les Zelda, les gens. La base. Aide-moi à sortir d'ici, G, s'il te plaît. T'inquiète. Je suis sur le coup. Yeah. Je vais placer une petite bouteille de gaz. Les allumettes. Sur les allumettes. Les allumettes. Je les ai perdu où, les allumettes? Je les ai oubliés. Attends, elles étaient à côté des bougies tout à l'heure. Jay, help me out of here. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Arrête de me faire flipper comme ça là. On s'en fout, c'est le cintre. C'était où les allumettes? Je me souviens plus. C'était à côté des bougies pourtant. Ok, je retournerai. T'inquiétez pas. Ça va peut-être bouger, hein. J'ai un doute, hein, mais je pense pas. Là, on a pas besoin. Ok, on a besoin de rien ici. Ok. C'est quoi là? Il y avait un truc là. Accéder à l'hôtel. Ok. Ils sont là. Ça va être hyper dangereux ce que je vais faire. À bout portant comme ça, horrible. Super, vous avez placé une boîte d'allumettes. Ça a pété? Faut l'allumer. Vous avez placé deux des trois objets nécessaires. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il faudra un truc qui allume. Jay, un Rubik's Cube, une boîte de cornichons, une poignée. Une poignée? C'est une poignée de porte, je crois. Hein. Une poignée de porte, ça m'étonnerait quand même, non? Je sais pas, moi. Ok, non, c'est pas ça. Un Rubik's Cube, bon, je pense pas, la peluche non plus. Hein. Ah, attendez, les amis, ça va peut-être pas être débile ce que je suis en train de dire, mais pourquoi ne pas utiliser le réveil? Ouais, parce que c'est le seul truc que j'ai pas encore réellement utilisé, là. Parce que, bon, la licorne, ça m'étonnerait, mais... Après, il y a peut-être le marteau, tu sais, le marteau. Ah ouais, le marteau! Le marteau, tu le balances, ouais, mais ce serait bizarre. Parce que le marteau, je l'ai obtenu uniquement en étant capturé. Donc, peau de cornichon. Je sais pas. Peut-être le réveil. Les piles, tu sais, c'est inflammable, hein, donc. On va tester, attention! Super, vous avez placé le réveil. Et maintenant? Bon, ma minuterie. Ah oui! Ah oui! Ça va péter! J'espère qu'il est pas dedans, le voisin, là, le marchand de glace. Oh, j'entends. Oh! Ah bah, s'il était dans le bâtiment, il est dead. Ok. Waouh, ok. Ça a donné. Ça a donné l'accès! Il était là!
Tu t'es pris une bombe dans la face et t'es pas mort. Tu te fous de moi là, Je te fous de moi. Allez, allez. Allez. Oh, ça a bien changé les marçons de glace en 2021. Et je passe comment là? Eh ben comme ça. Ok. Très bien. Oh. Attendez. Ah, la poignée. Il me faut la poignée, très bien. Ah ah. Jérôme, ça va? Tu fais une petite tape dans le dos, tu sais. Tout va bien? Je suis sorti un courant d'air. Je sais, tu me stresses, arrête. J'arrive même pas à prendre la poignée de porte, quoi. Terrible, terrible, tellement tu me stresses, Lise. Allez, allez, allez. Ça, ça dégage. Ok. Oh, c'est pour l'hôtel. Clé de la cage. Oh, clé de la cage. Donc ça servait à quoi, en fait, le... Wow. La peluche et tout. Allez, je pense qu'il y a plusieurs fins possibles. Enfin, une manière déterminée. Allez. Ok, do it. Do it. Allez, j'arrive, Liz. Accroche-toi. Ok, Liz. T'inquiète, t'inquiète. Vous devez être dans le quartier pour utiliser ça. Eh ben, direction le quartier, alors, Liz. Direction le quartier. Yes, ouverture. Allez, on saute. C'est le moment ou jamais. Allez, accroche-toi. Non, je peux pas. Si je saute avec le van en marche, je vais faire mal. Non, Liz. Oh non, elle a pas réussi à sauter. Mike, que fais-tu avec ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ce parfum? Charlie, ta soeur. Oui, c'est elle. Comment elle s'est retrouvée là? Je ne comprends pas comment ça n'est plus arrivé. Attends, what? Liz. Hey. Hey. Oh, le parfum. On s'en fout. Quoi de neuf, Liz? Je te aime depuis le premier jour. J'espère que tu ressens la même chose. M'aimes-tu? Oui ou non, Mike? Ah, d'accord. Et ça finit comme ça et on a les œufs. Oh là là. Jeu terminé, à suivre. Vous avez terminé le jeu. Avez-vous apprécié? Laissez-nous très vite en commentaire. Et surtout ton plus grand pouce bleu. Et voilà les gens, c'est la fin du chapitre 2 de Ice Cream. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors, bah la fin est quand même un peu... Bah c'est chaud quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper sad. C'est hyper sad. Et bah écoutez, en tout cas c'était quand même très fun une fois de plus. C'était déjà un peu plus chaud quand même au niveau des énigmes, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que les épisodes de Ice Cream sont toujours un peu plus longs, étant donné que c'est comme un vrai Hello Neighbor, c'est-à-dire en mode il y a beaucoup d'énigmes et tout, mais il est tellement énorme ce jeu. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas justement, à vous aussi, de lâcher votre avis et votre commentaire, hein, bien sûr, l'avis avec le like, hein, comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de commerce à tous. C'était votre Jumper et le Marchand Glace, et on se retrouve très bientôt pour la suite du chapitre 3 de Ice Cream. Ciao les amis.